Sur une distance de 100 mètres, si je roule à 80 km/h, je percevrai le même nombre d'indices que si je roule à 40 km/h, A. Deux fois plus d'indices que si je roule à 40 km/h, B. Deux fois moins d'indices que si je roule à 40 km/h, C. Le nombre d'indices qu'il est possible de percevoir diminue avec la vitesse. À 80 km/h, pour parcourir 100 mètres, je mets deux fois moins de temps que si je roulais à 40 km/h. Je perçois donc deux fois moins d'indices. Ce panneau lumineux peut annoncer des chutes de neige ou de la pluie verglaçante. Ce phénomène se produit généralement lorsqu'il pleut après une période de gel. Une pluie tombant sur un sol plus froid que l'air transforme l'eau en verglas. Ce cyclomotoriste roule à 40 km/h. Je le dépasse. Oui. A. Non. B. Hors agglomération, pour dépasser un véhicule à deux roues, je laisse un espace latéral d'au moins 1,50 m. En effet, ces usagers sont très vulnérables et risquent de faire des écarts. Des voitures arrivent en face. En laissant un espace d'1,50 m, il sera impossible de dépasser le cyclomotoriste sans risquer d'accrocher ses véhicules. Je ne le dépasse pas. Je recommande à mes passagers de se retourner avant d'ouvrir la portière. Lorsqu'ils sont assis du côté de la route, oui, A, non, B. Lorsqu'ils sont assis du côté du trottoir, oui, C, non, D. L'ouverture d'une portière comporte toujours un risque. Du côté de la chaussée, des véhicules circulent. Du côté du trottoir, il faut s'assurer de ne pas blesser un piéton qui passerait au même moment. Et le rétroviseur extérieur ne permet pas de voir dans les angles morts. En conséquence, je recommande à mes passagers de se retourner avant d'ouvrir leur portière, aussi bien côté route que côté trottoir. Je vais tout droit. Je passe. Avant le tramway, A. Après le tramway, B. En présence d'un feu jaune clignotant, j'applique les mêmes règles de priorité que s'il n'y avait pas de feu. Les tramways sont prioritaires sur les autres usagers. Leur seule obligation et de respecter les gestes des agents et les signaux d'arrêt. Par conséquent, je passerai après le tramway. Je dépasse le camion. A. Je m'arrête. B. L'autobus en face, qui est bien à droite, clignotant gauche allumé, signale qu'il va vraisemblablement quitter son arrêt. Dans ce cas, comme je suis tenu de le laisser démarrer, je ne peux pas dépasser le camion immobilisé. Je m'arrête en laissant libre le passage piéton. Il fait très chaud. Je roule avec le capot dans cette position. Oui. A. Non. B.
Le système de refroidissement et de ventilation permet de refroidir le moteur en toute saison. Ici, le capot n'est pas complètement fermé. Si je circule ainsi, il risque de s'ouvrir brusquement, m'empêchant alors de voir devant moi. Ce serait d'autant plus dangereux qu'en raison de la résistance à l'air, ce risque s'accentue quand la vitesse augmente. Pour circuler en sécurité, je ferme complètement le capot. Un accident se produit devant moi. Si je ne m'arrête pas, je commets un délit. Oui. A. Non. B. Si un accident se produit devant moi, je dois m'arrêter dès que possible, même si je ne suis pas impliqué. Continuer ma route et ne pas prévenir les secours, c'est commettre un délit de non-assistance à personne en danger. Si je commets cette infraction, j'encours une amende de 75 000 euros et un emprisonnement de 5 ans. Je cède le passage aux piétons. Oui. A. Non. B. Le feu est vert, le piéton est en sécurité sur le trottoir. M'arrêter pour le laisser passer est dangereux, car des usagers me dépassant risquent de le percuter. Je m'engage à vitesse réduite en surveillant le piéton. Je dépasse. A. Je ne dépasse pas. B. La signalisation horizontale ne m'interdit pas de dépasser puisque la ligne discontinue est de mon côté. Mais, dans cette situation, je ne suis pas certain de pouvoir me rabattre à droite sans danger. En effet, plusieurs véhicules se suivent et le camion bleu, qui masque la visibilité, en cache peut-être d'autres. Dans le doute, je dois m'abstenir de dépasser. Question 1. Je circule sur une route à caractère prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais rencontrer un passage à niveau. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau triangulaire indique qu'à 150 mètres, vous allez rencontrer une intersection où vous allez bénéficier d'une priorité ponctuelle. Vous ne circulez donc pas sur une route à caractère prioritaire. Quant à la balise blanche et bleue, elle positionne un obstacle peu ou pas visible, situé sur l'accotement et non la proximité d'un passage à niveau. Réponse B et D. En marche normale, je suis bien placé. Pour rejoindre l'itinéraire de substitution, oui, A. Non, B. Pour continuer sur l'autoroute, oui, C. Non, D. La ligne à traits resserrés me dissuade d'effectuer un changement de voie trop tardif pour rejoindre la sortie. Cette sortie permet de suivre l'itinéraire de substitution. Pour le rejoindre, je ne suis pas bien placé. Je devrais être sur la voie de droite. Pour continuer sur l'autoroute, je dispose de trois voies. Si je n'ai pas de véhicule à dépasser, je dois rouler sur la voie la plus à droite. En marche normale, je ne suis donc pas bien placé, même pour continuer sur l'autoroute. Question numéro 13. Dans quelle zone se trouve l'indice le plus important? Zone 1, réponse A. Zone 2, réponse B. Zone 3, réponse C. Zone 4, réponse D. Un véhicule de SAMU, service d'aide médicale urgente, arrive derrière moi. Il est prioritaire.
et je dois tout mettre en œuvre pour faciliter son intervention. Après avoir vérifié qu'aucun deux roues ne circule dans la bande cyclable, je vais devoir serrer à droite et ralentir. L'indice le plus important se trouve dans la zone 4. Bonne réponse. D. Question 14. Pour tourner à gauche à cette intersection, je peux serrer le terre-plein central. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois mettre un clignotant. Oui, réponse C. Non, réponse D. En marche normale, vous devez maintenir votre véhicule le plus près du bord droit de la chaussée. Toutefois, lorsque vous abordez un carrefour à sens giratoire, vous pouvez serrer le terre-plein central en vue d'emprunter une sortie située à gauche. Pour informer les autres usagers de votre changement de direction, vous devez mettre votre clignotant. Réponse A et C. Question 15. La vitesse est limitée à 80 km/h. À 150 mètres? Réponse A. À partir du panneau? Réponse B. La chaussée est à double sens de circulation. À partir du panneau? Réponse C. À 150 mètres? Réponse D. Les panneaux de prescription prennent effet immédiatement, sauf dans le cas où un panonceau de distance les complète. Dans cette situation, votre vitesse ne doit pas être supérieure à 80 km/h à partir du panneau. Contrairement aux autres panneaux triangulaires de danger, placés environ 150 mètres avant le danger hors agglomération, ce panneau vous informe que la chaussée est à double sens de circulation immédiatement. Vous devez donc tenir compte de ce changement de situation qui risque de rendre les dépassements plus difficiles. Réponse B. Et C. Question numéro 16. Sur cette chaussée, la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. Réponse A. 90 km/h. Réponse B. 110 km/h. Réponse C. 130 km/h. Réponse D. Les panneaux de direction sont à fond vert et les cartouches placées au-dessus indiquent que je roule sur une route nationale et européenne à la fois. Sur une autoroute, j'aurais rencontré des panneaux à fond bleu et un cartouche rouge portant la lettre A pour autoroute. Je circule sur une chaussée à quatre voies séparées par un terre-plein central. Tous ces indices me prouvent que la vitesse maximale sur cette route est de 110 km/h. Bonne réponse, C. Question numéro 17. Ce signal annonce une aire de repos, réponse A, une aire de service, réponse B. Une voie de détresse. Réponse C. Un emplacement d'arrêt d'urgence. Réponse D. Ce panneau annonce à 2000 mètres une voie de détresse à droite. Ces voies sont aménagées dans les longues descentes dangereuses et sont réservées uniquement aux véhicules dont le freinage est défaillant. Bonne réponse. C. Question numéro 18. Je peux circuler en feu de position seul, réponse A, en feu de croisement, réponse B, en feu de route, réponse C. En agglomération, lorsque l'éclairage de la chaussée est continu et permet de voir à une distance suffisante, les usagers peuvent circuler soit avec les seuls feux de position, soit avec les feux de croisement.
La chaussée sur laquelle je circule est dépourvue d'éclairage public. Je dois pour l'instant circuler en feu de route pour voir le plus loin possible. J'utiliserai les autres feux dès que je circulerai dans les rues éclairées. Bonne réponse. C. Ces panneaux annoncent un passage d'animaux domestiques, réponse A, une succession de virages, réponse B, un passage d'animaux sauvages, réponse C, une chaussée glissante, réponse D. Ces panneaux de danger, placés hors agglomération, annonce à environ 150 mètres. Une succession de virages dont le premier est à gauche. Et un passage d'animaux sauvages. Les panonceaux précisent que les dangers s'étendent sur une distance de 2 km. Bonne réponse, B et C. Question numéro 20. À 500 mètres, l'accès est interdit aux véhicules dont le poids est supérieur à 3,5 tonnes, réponse A, ou est inférieur à 3,5 tonnes, réponse B. Je dois faire demi-tour à la prochaine intersection? Oui, réponse C. Non, réponse D. Un panneau rond bordé de rouge indique une interdiction. Ce panneau interdit l'accès aux véhicules ou ensemble de véhicules dont le PTAC, poids total en charge, ou le PTRA, poids total roulant autorisé, excède 3,5 tonnes. Le panonceau précise que cette interdiction prend effet à 500 mètres. Au volant d'une voiture particulière, ce panneau ne me concerne pas. Je n'aurai pas à faire demi-tour. Bonne réponse, A et D. Question numéro 21. Dans une aire piétonne, la vitesse est limitée à 20 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sauf indication contraire, tous les usagers peuvent circuler. Oui, réponse C. Non, réponse D. Une aire piétonne est réservée à la circulation des piétons. Ils y sont prioritaires sur les autres véhicules. Les véhicules autorisés doivent circuler à l'allure du pas. La présence de véhicules motorisés est exceptionnelle. Bonne réponse, B et D. Question numéro 22. Je circule à 50 km/h. Dans cette situation, je ralentis, réponse A. J'accélère, réponse B. Je continue à la même vitesse, réponse C. Je circule en agglomération, où la vitesse en règle générale est limitée à 50 km/h. J'aborde une intersection réglée par un stop. Les usagers venant de droite doivent donc s'arrêter à la ligne d'effet du stop et céder le passage aux usagers circulant dans mon sens et en sens inverse. Je suis donc prioritaire. Même si je suis prioritaire, je ralentis par mesure de sécurité puisque j'aborde une intersection. Accélérer me ferait dépasser la limitation de vitesse autorisée. Je serai donc en infraction. Bonne réponse, A. À bord du véhicule, la boîte à fusibles de rechange est obligatoire, réponse A, facultative, réponse B, recommandée, réponse C.
Alors, une boîte à fusible de rechange, est-ce que c'est obligatoire à bord d'un véhicule? Donc non, ce n'est pas obligatoire comme la boîte à ampoule. Donc ce n'est pas obligatoire, donc c'est par contre, c'est facultatif. Donc bonne réponse B. Donc ce n'est pas obligatoire, par contre, c'est fortement recommandé. Si jamais non, justement, on a un fusible qui saute, au moins, on peut avoir donc un fusible de rechange. Donc pour pouvoir, entre guillemets, réparer, donc c'est comme pour la boîte à ampoule, c'est recommandé. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc bonne réponse B et C. Question numéro 24. Ce panneau annonce une bifurcation d'autoroute, oui, réponse A, non, réponse B, une sortie, oui, réponse C, non, réponse D. Ce panneau annonce à 2000 mètres une bifurcation autoroutière et une sortie rapprochée. Un premier embranchement signale une sortie d'autoroute par un encart blanc comportant un symbole d'échangeur et son numéro. Un second embranchement signale une bifurcation d'autoroute par les cartouches rouges, leurs lettres A et leur numéro. Bonne réponse, A et C. Question 25. Je suis titulaire du permis depuis moins de 2 ans. À partir du panneau, je pourrais circuler à 100 km/h, réponse A, 90 km/h, réponse B, 80 km/h, réponse C, 70 km/h, réponse D. Je circule sur une chaussée à double sens de circulation. Titulaire du permis depuis moins de 2 ans, ma vitesse sera donc limitée à 80 km/h dès le panneau de sortie d'agglomération franchi. Je ne suis cependant pas tenu de rouler à la vitesse maximum autorisée. Je pourrais donc circuler à 70 ou 80 km/h. Réponse C et D. Question 26. À l'intersection annoncée, je devrais céder le passage à droite. Réponse A. Céder le passage à gauche. Réponse B. M'arrêter. Réponse C. La signalisation de danger avec croix de Saint-André annonce une intersection où je serai tenu de céder le passage à tous les conducteurs qui débouchent de la droite. Toutefois, si personne n'arrive de droite, je n'ai pas l'obligation de m'arrêter en abordant ce carrefour. Réponse A. Question 27. Je ralentis. Réponse A. Je conserve mon allure. Réponse B. En règle générale, lorsqu'un usager vous dépasse, vous n'êtes pas tenu de ralentir. Cependant, ici, le conducteur revient de façon prématurée à droite. C'est pourquoi, afin d'éviter les risques de collision, vous devez ralentir. Réponse A. Question numéro 28. Je peux faire un arrêt sur l'emplacement. À droite derrière le véhicule? Oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche? Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau indique un emplacement sur lequel l'arrêt et le stationnement sont autorisés. Il est tout de même important de ne pas se placer trop près du poids lourd au cas où ce dernier souhaiterait effectuer une marche arrière. Il est très important de rester visible dans ses rétroviseurs lorsque je me trouve derrière lui. De plus, en repartant, je vais devoir m'assurer qu'aucun véhicule ne se trouve en situation de dépassement en sens inverse, car je vais être masqué par le camion. Hors agglomération, il est interdit de s'arrêter à gauche lorsque l'accotement droit est praticable. Bonne réponse, A et D.
Question 29. J'entre dans un lieu-dit. Réponse A. Une agglomération. Réponse B. Je circule sur une route départementale. Réponse C. Nationale. Réponse D. Le panneau rectangulaire blanc, encadré de rouge, indique que vous entrez dans l'agglomération de Villeneuve. Le panneau d'entrée dans cette agglomération suffit pour limiter la vitesse à 50 km/h. Vous devez donc ralentir. Le cartouche rouge situé au-dessus du panneau d'entrée en agglomération indique que vous circulez sur la route nationale numéro 113. Réponse B et D. Question 30. À cette intersection, je suis prioritaire. Réponse A. Je maintiens mon allure. Réponse B. Je ralentis. Réponse C. Je mets le pied au-dessus du frein. Réponse D. La signalisation confirme qu'à cette intersection, vous êtes prioritaire. Cependant, pour limiter les risques, vous devez ralentir et placer votre pied au-dessus du frein. En effet, malgré votre priorité, cet usager pourrait s'engager. Réponse A, C et D. Question numéro 31. Je continue le dépassement. Réponse A. Ou je me rabats à droite. Réponse B. Sur cette route à double sens de circulation, la visibilité vers l'avant est bonne. La ligne centrale discontinue autorise le dépassement. Toutefois, ce panneau temporaire signale une interdiction de dépasser tous les véhicules à moteur, autres que ceux à deux roues sans sidecar. Je ne peux donc pas dépasser pour le moment. Bonne réponse. B. Question numéro 32. Je passe, réponse A, ou je m'arrête, réponse B. Le feu vert autorise le franchissement de l'intersection. Cependant, ce piéton s'engage et ne semble pas tenir compte de ma présence. Face à cette situation dangereuse, je m'arrête. Bonne réponse, B. Question numéro 33. Je circule à 100 km/h. La distance de sécurité est suffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. La distance de sécurité est la distance minimale à conserver avec le véhicule qui me précède lorsque je roule à la même vitesse que lui, pour éviter une collision si celui-ci freine brusquement. Cette distance doit correspondre à la distance parcourue par mon véhicule en 2 secondes. 1 seconde de temps de réaction et 1 seconde de marge de sécurité. Je peux calculer approximativement la distance nécessaire selon la vitesse du véhicule. Pour cela, je multiplie par 6 la dizaine de la vitesse. Je dois donc, à 100 km/h, conserver une distance de 60 mètres avec le véhicule qui me précède. La distance de sécurité est suffisante. Je n'ai pas à ralentir. Bonne réponse, A et B. Question 34. Pour aller à Grosbreuil, je continuerai tout droit. Réponse A.
Je tournerai à gauche. Réponse B. Je tournerai à droite. Réponse C. Le panneau annonce un carrefour avec un aménagement spécial destiné aux usagers qui tournent à gauche. Le schéma représente les directions possibles dans cette intersection. Pour prendre la direction de Grosbreuil, je ne peux pas tourner directement à gauche, un signal d'interdiction m'empêche de le faire. Comme indiqué sur le panneau, je dois d'abord prendre la direction à droite, puis traverser la route principale. Réponse C. Question numéro 35. Ce panneau indique un chemin interdit aux piétons, réponse A, ou une fin de chemin obligatoire pour piétons, réponse B. Ce panneau à fond bleu et barré d'un trait rouge indique la fin d'un chemin obligatoire pour piétons. Un chemin obligatoire pour piétons est une voie exclusivement réservée à la circulation des piétons. Cette voie peut faire partie de la chaussée ou en être séparée physiquement. Un chemin interdit aux piétons est signalé par ce panneau. Bonne réponse, B. Question numéro 36. Sur les marquages jaunes, je vais pouvoir m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner. Oui, réponse C. Non, réponse B. Je circule dans un sens unique où le stationnement est bilatéral. Les marquages jaunes sur la chaussée matérialisent les entrées d'immeubles. Le stationnement est interdit devant ces entrées car il est considéré comme gênant. Si je ne respecte pas cette règle, je risque alors une amende de deuxième classe ainsi que l'immobilisation et la mise en fourrière de mon véhicule. Cependant, il est autorisé de s'y arrêter. En effet, en restant dans le véhicule ou à proximité, je pourrai le déplacer pour faciliter l'accès des usagers. Question 37. Je m'engage, réponse A. Je laisse passer l'autobus, réponse B. Hors agglomération, les véhicules de transport en commun sont censés faciliter le passage des véhicules plus petits. Mais en agglomération, c'est le contraire. Les véhicules légers doivent, en toute occasion, aider les conducteurs de transport en commun à circuler facilement. Cet autobus est déjà bien engagé dans l'intersection. Je m'arrête et le laisse finir sa manœuvre. Réponse B. Question 38. Je dépasse. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La ligne d'avertissement pointillée annonce une ligne continue. Pour entreprendre un dépassement, il faut être certain de l'avoir terminé avant le début de la ligne continue. Je me situe à hauteur de la première flèche, il en reste deux avant la ligne continue. Je n'ai pas l'espace suffisant pour dépasser. Réponse B. Question numéro 37. Je tourne à droite. Je dois céder le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois marquer l'arrêt. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule actuellement sur un chemin de terre. En abordant cette intersection, je dois céder le passage à droite et à gauche. Toutefois, lorsqu'à la sortie d'un chemin de terre, aucune signalisation n'est implantée, l'arrêt n'est pas obligatoire. Je dois m'engager suffisamment lentement pour permettre un arrêt sur place. Bonne réponse, A et D. Question 40.
le constat amiable est un document facultatif. Réponse A. Obligatoire. Réponse B. Je peux faire un constat sur papier libre. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le constat amiable d'accident est un document facultatif, mais il est vivement conseillé, parce qu'il facilite et accélère la procédure d'indemnisation. Bien que déconseillé, un papier libre peut cependant le remplacer. Le principe est le même, chaque conducteur remplit une partie de document et l'échange avec l'autre conducteur. Comme pour le constat amiable, ce document doit parvenir à l'assureur dans un délai de 5 jours. Réponse A et C. Cette vidéo a été coupée car elle était trop longue. Pour compléter la vidéo, vous trouverez sa suite dans la description ou cliquez ici. Cette vidéo a été coupée car elle était trop longue. Pour compléter la vidéo, vous trouverez sa suite dans la description ou cliquez ici. Cette vidéo a été coupée car elle était trop longue. Pour compléter la vidéo, vous trouverez sa suite dans la description ou cliquez ici.